Salut, c'est Shaman de Ludovox. Nous sommes toujours à ASN 2015 pour le dernier jour. Nous sommes sur le stand de Morning Players avec Tim, un des fondateurs donc de Morning, qui va nous parler un petit peu de où ça en est. Bonjour Tim, comment vas-tu ? Salut Shaman, je vais bien. Et un petit peu fatigué là, mais je vais bien. Oui, c'est assez intense ces scènes. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu d'aujourd'hui, où ça en est Morning en termes de jeux qui sont sortis, qui sont édités, qui sont disponibles à la vente ? Bah écoute, on avait commencé avec Euphoria l'année dernière. Maintenant, ça fait quelques mois déjà qu'on s'est mis sur d'autres jeux, des jeux en propre, et on sort notre premier vrai jeu en propre qui est Kumo. C'est-à-dire, c'est pas une traduction, c'est un jeu qu'on a commencé depuis le début, qu'on a développé en interne, etc. Et on sort également Between Two Cities, plus des versions extensions, enfin un peu plus grosses, une version plus grosse de Viticulture. D'accord. Il y a des projets qui sont en cours. Il y avait Commando là, qui avait été un Kickstarter. Il me semble que vous avez repris plus que la distribution là-dessus, parce que vous faites du développement aussi, ou je sais pas, de l'affinage. Écoute, on a une espèce de mode un petit peu labo, on fait rentrer plus que juste des jeux, on fait rentrer des éditeurs dans la Morning Family. Le but, c'est de faire profiter de notre intégration verticale. Alors, l'intégration verticale, ça veut dire, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, j'en parle un petit peu à chaque fois, mais ça veut dire qu'en fait, on est un petit peu sur tous les fronts. On est sur la production, la logistique, jusqu'au marketing, à la communication. Et le but, c'est d'aider des éditeurs à pouvoir se focusser sur leur création. Et nous, on intervient un petit peu comme consultant sur tout le reste. Et le but, c'est de vraiment faire quelque chose de plus gros ensemble. Voilà. Ok, alors pendant qu'on y est, là on parlait encore des jeux, donc je vais revenir sur ce que tu viens de me dire parce que ça me donne une bonne transition, mais juste, il y a Hope aussi, dont on a vu la figurine qui a donc été faite à ton effigie. Pas du tout, c'est pas à mon effigie. Alors, ça c'est un projet qui va arriver sur Kickstarter, ça va être, alors il y a eu des choses qui se sont passées déjà, mais ça va être relancé autour de quand environ, tu penses ? Alors, on espère pouvoir le relancer en février. Maintenant, on fixe pas de date. On relancera quand on sera hyper prêt, en fait. C'est le but, quoi. Ok, et ça, c'est un jeu édition pure chez vous. Exactement, c'est une édition Morning Players. Donc, je pense que tu en parlais, c'était une campagne de Kickstarter qui a raté. Mais on a tiré énormément de bons de cette campagne ratée. Du coup, on revoit tout le projet, on réfléchit vraiment pour faire quelque chose de super quali et quelque chose que tout le monde va vouloir backer, quoi. Ok, bon bah écoute, on attend de voir quand tu nous redonneras des nouvelles sur le lancement. Alors tu m'as donné un élément tout à l'heure de réponse qui me permet de faire une transition. Tu as mentionné le terme de Morning Family. Alors justement, Morning Family, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer justement comment ça a fonctionné et tu as mis un nom au-dessus, donc qu'est-ce que tu veux mettre derrière ? Alors, y a quand même dans le monde du jeu, il y a deux choses très importantes, il y a la distribution et l'édition. Nous, on n'avait pas trop envie de confondre la distribution et l'édition parce que c'est vraiment deux métiers différents. L'édition, on voulait que ça reste Morning Players, qu'on montre qu'avec Morning Players, on sait faire des vrais bons jeux sur lesquels on passe du temps, etc. Et qu'en fait, la distribution, c'est un peu une autre entité, quoi. Donc, c'est deux marques différentes. Morning Family, ça fait que de la distri. C'est-à-dire, la distri, c'est quoi ? C'est être présent partout dans le monde et nous amener, au même titre qu'on amène les studios, enfin les autres maisons d'édition qui sont dans la Morning Family partout dans le monde. Donc c'est vraiment mettre tout le monde sur le même pied d'égalité grâce à la Morning Family. Ok, et ça c'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant même de faire des jeux édités comme Euphoria, ça, tout ce qui était distribution, c'est ça qui vous a amené à partir dans cette direction avec la Morning Family ? On a commencé par la distribution il y a 4 ans et on s'est peu à peu construit pour être un petit peu présent sur toute la chaîne et faire de l'édition. Donc la Morning Family, non, c'est récent, nous on apprend beaucoup tout au long de... Ça fait 4 ans qu'on apprend finalement, et là on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ça et on trouve que c'est plus clair en fait, de notre point de vue c'est beaucoup plus clair quoi, comme ça. Pour un éditeur qui vous connaîtrait pas par exemple et qui veut se faire une idée de ce que ça amène justement à Morning Family, ça part de où et ça va jusqu'à où ? On va plutôt partir dans l'autre sens pour faire un truc. Ça part de où et ça va jusqu'à où l'accompagnement ou ce que vous proposez ? Est-ce que ça va être dans
dans de la logistique ou dans les contacts internationaux. C'est dans quoi exactement qu'on va trouver ce que vous apportez ? C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire d'une part, ça part même du sourcing, c'est-à-dire même pour les nouveaux jeux, on a beaucoup de gens qui viennent nous amener des protos, etc. Avec Morning Players, en tant qu'éditeur, on a une ligne éditoriale forte à laquelle on ne va pas trop déroger. Par contre, on a des studios, des mecs qui sont passionnés par d'autres types de jeux, par d'autres thématiques, à qui on va pouvoir amener tout ce qu'on réussit à récupérer comme prototype et comme nouvelles idées. Donc là, ça part même de tout en haut, quoi. Ensuite, on les aide sur la prod, même sur la créa. On a Nico qui est un super game developer. Donc Nico va challenger les mecs. Nico va vraiment essayer de les amener au bout de leur idée. C'est vraiment ça finalement. Parce que quand on est développeur dans une maison d'édition, on est sur son propre projet. C'est bien d'avoir un œil extérieur. La famille, c'est pas un œil extérieur. Ça, avec la famille, enfin les papas, maman, petits frères, petites sœurs, c'est l'œil gentil. Nico, c'est l'œil méchant. Nico, c'est l'œil qui va réussir à faire en sorte que ton jeu il soit au bout des possibilités. Ensuite, ça va aller sur la production. On est en partenariat avec Panda, qui est une usine de Canadiens qui font produire en Chine. Là, voilà, c'est l'expertise, quoi. C'est l'expertise produit. Être capable de connaître tout ce qui est possible de faire pour un jeu de société. Jusqu'à la distrie, donc profiter de notre réseau et la communication, le marketing, comme je disais tout à l'heure. Ok. Aujourd'hui, quand tu proposes de la distribution à des gens avec qui tu travailles, c'est de la distribution internationale ou c'est français ? C'est international. C'est-à-dire, on est soit en direct dans certains pays, on est en direct en France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Suisse, peut-être bientôt l'Espagne, et on a des partenaires un peu partout dans le monde, et c'est aussi dans des manifestations comme ça qu'on réussit à concrétiser des partenariats et à faire en sorte de pouvoir être de l'Espagne à la Chine, en passant par le Brésil, quoi. Ok. Aujourd'hui, en termes d'équipe, justement, qui accompagne tout ce projet-là, t'as combien de personnes, en gros ? Ah, c'est sur la question un peu compliquée. On est autour de 15. On recrute pas mal, donc ça va assez vite. On cherche des rockstars pour rentrer dans l'équipe. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent ça, on cherche toujours des rockstars pour rentrer dans l'équipe. On se structure, quoi. On se structure et on essaye d'avoir des personnes de qualité, quoi. Ok. Est-ce que tu as sur la partie, alors on a bien parlé de la partie distribution, sur la partie édition, l'après Hope, vous l'avez déjà un petit peu en tête ou ça se passe comment ? À mort, jusqu'à 2018 je crois qu'on a des projets. Ouais, là on est pas mal structuré, on fait vraiment gaffe à prendre que le meilleur, on se laisse vraiment le temps de voir tout et de prendre les projets qui nous correspondent vraiment, c'est plus trop un secret, on va faire un jeu qui s'appelle Polders, qui va être sûrement le prochain jeu Morning, mais après ça commence à devenir des secrets. Donc, d'accord. Plus tard. Ok. Est-ce que ça va rester dans une même logique ? Parce que je vois, par exemple, tu regardes entre Euphoria, Kumo et Hope, il y a quand même un gros écart, donc ça va. Euphoria, c'était plus une localisation. Bon, on a pas mal, on est intervenu sur plus que juste la localisation, mais c'est vrai que là, en termes de jeu en propre, avec Kumo et Hope, finalement, c'est pas, enfin, c'est des jeux très différents, on est d'accord. Mais en termes de public, c'est-à-dire en termes de distribution, c'est vraiment le même genre de jeu. On veut chercher un public familial plus, avec vraiment une thématique très forte, et puis une particularité. C'est-à-dire que nous, on veut juste faire des choses qui sont innovantes, et on veut un peu innover sur le marché, effectivement, faire des choses qu'on n'a jamais vues. Ok, est-ce que tu as envie de rajouter des choses particulières ou je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de cette SN ? C'est juste, c'est plus incroyable chaque année. Là, on a un stand qui est beaucoup plus central. On s'en rend vachement plus compte que l'année dernière. On n'a pas trop le temps d'aller dans les allées, mais c'est juste, on valide encore que Essen, c'est l'endroit où il faut être chaque année. Tous ceux qui peuvent avoir la chance de venir, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est juste extrêmement impressionnant. Moi, nous, on adore être là à tout niveau, quoi. Et t'as déjà fait la Gen Con, non ? T'as déjà pensé ou pour une année ultérieure ? On était présent à la Gen Con, pas en tant qu'exposant. C'est relativement compliqué de rentrer en tant qu'exposant. Donc on devrait pouvoir le faire en 2016 s'il nous file enfin une place, quoi. L'année prochaine, c'est l'année où on devrait être aux États-Unis aussi avec Morning.
Ok, je crois que vous avez aussi, alors je ne sais pas si on avait déjà parlé, peut-être que là il y a Scythe, alors je le prononce à la française parce que c'est un petit peu compliqué à prononcer à l'anglais, c'est quoi, c'est Stegmaier, c'est ça l'édition, ou c'est Stonemaier? C'est Stonemaier Games, ouais. C'est un partenariat que vous avez pour, avec les Kickstarter Stonemaier, comment ça fonctionne exactement? Alors c'est plus qu'un partenariat, c'est-à-dire que maintenant on le représente dans la majeure, dans tous les pays d'Europe finalement. On est sur le développement des jeux, moi je l'aide aussi un petit peu au niveau business, donc voilà, on développe une synergie entre les deux boîtes. Lui est exceptionnel en termes de création de communauté, même pour faire des jeux. Voilà, Scythe, on en parle énormément en ce moment. Le Kickstarter commence dans 2 jours, donc aujourd'hui on est le 11, il commence le 13 octobre. Et on pense que ça va être un gros hit, juste à voir les tables qui ont été bookées jusqu'à la fin, quoi. On avait 2 jours de réservation, c'est juste impressionnant. Ok, d'ailleurs j'en profite parce que tout à l'heure on avait des petites questions, mais on était avec ton animateur, il n'avait pas forcément les réponses. Est-ce que tu as une idée du temps qui va s'écouler entre le lancement du Kickstarter, donc dans 2 jours, 13 octobre, et l'arrivée du jeu en anglais chez les gens? On est sur un Kickstarter qui va durer 1 mois, donc on va finir mi-novembre et on va commencer direct après toutes les trades, quoi. Donc le français, je pense que c'est une question que tu allais me poser. Là je pensais l'anglais, ouais, mais d'accord. Ouais, mais même l'anglais en fait, on va tout avoir en même temps finalement. Le Kickstarter, ça va être juste la version anglaise, mais juste après on va enchaîner avec les versions localisées. Et le but, c'est d'arriver en septembre à livrer la version Kickstarter, et ici à Essen en 2016, d'avoir les autres versions. C'est un très gros jeu avec des figues, un temps de prod, un temps d'incubation qui est très très gros. Ok, bah écoute, merci Tim pour toutes ces réponses. Merci d'être venu et ça nous fait toujours plaisir de vous voir là. Et merci pour le boulot que vous faites aussi pour la communauté, c'est cool. Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt. Salut Davox.